immense étendue d'une blancheur immaculée, l'Antarctique est l'un des endroits du monde les plus désolés. C'est une région recouverte de glace en permanence où les températures peuvent descendre jusqu'à moins 50 degrés centigrades. Dès le Moyen-Âge, on a pensé qu'un continent devait exister quelque part vers le sud, ne serait-ce que pour compenser l'ensemble des régions émergées de l'hémisphère nord. Mais ce n'est qu'en 1770 qu'un navire, celui du capitaine James Cook, s'approcha pour la première fois de l'Antarctique. Et ce n'est qu'en 1894 qu'une expédition norvégienne posa pour la première fois le pied sur le continent. Puis, au cours de l'année 1901, trois expéditions furent organisées en Antarctique. L'une d'entre elles était une expédition britannique, conduite par un officier de la Navy, Robert Falcon Scott. Un autre officier de marine, Ernest Shackleton, faisait aussi partie du voyage. L'expédition embarqua à bord du Discovery. Ses membres passèrent l'hiver 1902 à bord du navire prisonnier des glaces. Puis, au mois de novembre, Scott, Shackleton et le docteur Edward Wilson quittèrent leur base située près de l'île de Ross pour se mettre en route vers le pôle sud. Les conditions météorologiques épouvantables et le relief de la région les obligèrent à rebrousser chemin alors qu'ils ne se trouvaient plus qu'à 600 km du but. Pendant ce temps, les autres membres de l'expédition effectuèrent d'utiles explorations du glacier situé au sud de l'île de Ross. Au cours de ces explorations, l'un d'entre eux perdit la vie. Une croix fut érigée en sa mémoire. En dépit de l'échec qu'ils avaient essuyé, Scott et ses hommes furent accueillis comme des héros à leur retour en Angleterre. En 1908, un Français, Jean-Baptiste Charcot, prit la tête d'une expédition pour aller explorer plusieurs îles de l'Antarctique. Les hommes de la mission Charcot étaient équipés de façon moderne. Ils disposaient de traîneaux motorisés et s'éclairaient à l'électricité dans leurs abris. La même année, Shackleton, bien décidé à atteindre le pôle sud, prit lui-même la tête d'une expédition. Son navire, le Nimrod, avait été utilisé pendant 40 ans pour chasser les phoques dans l'Arctique. Accompagné de trois hommes, Shackleton se mit en route pour le pôle au début du mois de novembre 1908. Ils dépassèrent bientôt le point atteint par Scott en 1902. Mais de nouveau, des conditions météorologiques épouvantables les forcèrent à rebrousser chemin alors qu'ils ne se trouvaient plus qu'à 160 km du but. Toutefois, la mission Shackleton était loin d'être un échec. Shackleton réussit à atteindre le pôle magnétique pour la première fois. Le capitaine Scott, impatient lui aussi d'atteindre le pôle sud magnétique, organisa une autre expédition. Il quitta Londres à bord du Terra Nova en août 1910. Quand Scott arriva à Melbourne, en Australie, il reçut un télégramme d'un autre explorateur polaire. Le télégramme lui avait été envoyé par Roald Amundsen. On pouvait y lire « Direction Sud ». Il signifiait qu'une course vers le pôle venait de commencer. Scott établit une base polaire sur la banquise de Ross, au pied du mont Erebus. Comme lors des précédentes expéditions, il utilisa beaucoup les chiens pour tirer les traîneaux. À l'exemple de Shackleton, il avait aussi emmené avec lui des poneys de Sibérie. Scott les préférait aux huskies, bien qu'ils ne soient pas aussi bien adaptés aux conditions climatiques régnantes en Antarctique. Le chat du navire, en revanche, se sentait tout à fait à l'aise dans cet environnement inhabituel. Scott essaya aussi des tracteurs à chenilles. Mais ils ne furent pas très utiles et tombèrent rapidement en panne. Malgré cela, il décida de parcourir à pied la dernière partie du chemin vers le pôle.
Non seulement il pensait que c'était la meilleure manière de procéder, mais il voulait aussi éviter des souffrances inutiles aux animaux. Il avait pensé qu'en fixant une voile sur le traîneau, il réussirait à soulager les hommes d'une partie de leur charge. En premier lieu, il installa des points de ravitaillement le long du chemin, afin que la charge que lui et ses hommes allaient devoir transporter jusqu'au pôle ne soit pas trop importante. Amundsen arriva à bord de son navire, le Fram. Il établit sa base polaire de l'autre côté de la banquise de Ross. Contrairement à Scott, il avait prévu d'utiliser les chiens jusqu'au bout pour tirer les traîneaux et même d'en tuer certains pour se nourrir. Il se mit en route le 19 octobre 1911 accompagné de 4 hommes. Le 16 décembre, ils atteignirent le pôle sud. Un mois plus tard, Scott et sa mission arrivèrent au pôle, à l'issue d'un périple au cours duquel rien n'avait marché comme prévu. Ils y trouvèrent une tente laissée par Amundsen. À l'intérieur de la tente l'attendait un message de consolation du même Amundsen. La déception de Scott et de ses compagnons était rude. À la vue du paysage qui l'entourait, Scott nota dans son journal « Le pôle est un endroit terrible ». Ils allaient maintenant devoir faire 1300 km à pied pour rentrer. Peu après leur départ, le temps commença à se gâter. À l'heure du déjeuner, ils s'arrêtaient pour monter la tente et préparer le repas. Ils recommençaient le même exercice tous les soirs. Mais avec la dégradation des conditions météorologiques, les hommes étaient de plus en plus fatigués et tout devenait plus difficile. Une fois la tente montée, ils tentaient par tous les moyens de faire circuler le sang dans tout leur corps. Ils devaient aussi avaler une boisson chaude, mais leur stock de pétrole commença à diminuer. Les conditions météo ralentirent leur progression vers le point de ravitaillement le plus proche. Scott dut réduire les rations de nourriture. Elle se composait de quelques biscuits, d'une boîte de viande en conserve, de thé et de sucre. Ce n'était pas suffisant pour des hommes qui luttaient contre un froid aussi intense. Certains parmi eux eurent les membres gravement gelés. Chaque soir, ils s'enfonçaient dans leur sac de couchage toujours plus fatigués. Les notes prises par Scott dans son journal montrent un pessimisme croissant. Ils atteignirent enfin le glacier Beardmore, qu'il leur fallait redescendre. Le temps leur laissait parfois un moment de répit, mais la lutte devenait de plus en plus difficile. Ils continuèrent leur route, mais l'officier Evans était maintenant trop faible pour pouvoir tirer le traîneau. À bout de force, le malheureux s'effondra, s'évanouit et mourut rapidement. La mission parvint à atteindre le premier point de ravitaillement, qui se trouvait tout en bas du glacier. Mais il y avait là moins de pétrole que Scott ne l'espérait, et même s'il disposait maintenant de plus de nourriture, cela ne suffisait pas à reprendre vraiment des forces. Ils avaient encore 650 km à parcourir. Le point de ravitaillement suivant se trouvait à 400 km. Le capitaine Lawrence Oates fut victime de graves engelures. Plutôt que de ralentir ses trois compagnons, il sortit de la tente en pleine tempête et se dirigea droit devant lui, vers la mort. Seul restait le docteur Edward Wilson, le lieutenant Bowers et Scott lui-même. Tous trois très affaiblis. Le 29 mars 1912, après 8 jours passés à l'intérieur de leur tente à cause de la tempête, Scott écrivit une dernière fois dans son journal. « Malheureusement, je n'ai plus la force d'écrire. C'est la dernière fois que je le fais. Que Dieu nous garde. »
C'est seulement au mois de novembre de l'année suivante qu'une mission de recherche retrouva leur tente avec les trois corps à l'intérieur, découvrant l'épilogue d'une affreuse tragédie. En 1912, un Australien, Douglas Mawson, faillit connaître le même sort lors d'une mission sur la Terre George V, à l'ouest de la mer de Ross. Ses deux compagnons moururent et il dut parcourir seul les 160 km qui le séparaient de la base. Il y parvint juste à temps pour voir s'éloigner son bateau. En raison des glaces, il allait devoir rester sur place presque un an avant d'être secouru. En août 1914, trois jours après le début de la Grande Guerre, Ernest Shackleton partit de Grande-Bretagne pour faire la première traversée de l'Antarctique. Les chiens faisaient de nouveau partie du voyage. Ces hommes l'avaient surnommé le patron. Il lui vouait un profond respect. Son navire, l'Endurance, atteignit l'Antarctique pendant l'un des hivers les plus rigoureux qu'on ait jamais vu. Il fut bientôt pris dans les glaces. Les membres de l'équipage durent briser une couche de glace épaisse de plusieurs centimètres pour libérer le navire. Ils réussirent à pratiquer une ouverture dans la glace d'une longueur suffisante pour permettre au navire de prendre l'élan nécessaire pour continuer par lui-même à briser la glace. L'Endurance continua sa route pour peu de temps. Il se trouva bientôt de nouveau totalement prisonnier d'une épaisse couche de glace. Shackleton dut se résigner à attendre l'arrivée de l'été. Les habitants des lieux observaient les membres de la mission avec curiosité. Ils semblaient s'intéresser aux fréquents matchs de football organisés pour maintenir les membres de l'expédition en forme. Mais il y avait un autre problème. La pression de la glace sur la coque de l'Endurance mettait celui-ci à rude épreuve. Les dommages subis étaient de plus en plus graves et l'inquiétude de Shackleton grandissait. Il demanda qu'on tente de soulager le navire de la pression. Mais l'Endurance continuait de s'incliner. Le pont commença à se désagréger. Il ne restait plus qu'une chose à faire, évacuer le navire. Canot de sauvetage et provisions compris. L'évacuation eut lieu juste à temps. Peu après, l'Endurance rendit son dernier soupir. Les crevasses provoquées par la pression sur la banquise interdisaient de se déplacer. Shackleton décida de construire un abri de fortune et de patienter. Restait à attendre que la banquise se détache. C'est ce qui se passa en avril 1916. Tous les membres de l'expédition purent alors embarquer à bord des chaloupes. Ils naviguèrent entre les blocs pendant le jour et campèrent dessus la nuit. L'expédition atteignit enfin l'île de l'éléphant. Shackleton décida d'y accoster. Inquiet pour l'état de santé physique et mentale de certains de ses équipiers, il jugea bon d'aller chercher de l'aide. Accompagné par cinq de ses hommes, il repartit pour la Géorgie du Sud, une île située à 1300 km, sur laquelle était installée une station baleinière.
il réussit à l'atteindre. Arrivés sur l'île, Shackleton et ses hommes trouvèrent le chemin de la station. Ils y réquisitionnèrent un navire et engagèrent des marins norvégiens. Mais ils allaient encore devoir attendre. Ils ne purent retourner sur l'île de l'éléphant qu'en août 1916. À aucun moment, les 22 membres de l'expédition qui l'attendaient là-bas n'avaient douté. À son retour vers la civilisation au Chili, Shackleton et ses hommes furent accueillis en héros dans le port de Valparaiso. Ils avaient fait preuve d'une endurance et d'un courage peu communs. De retour en Grande-Bretagne, le récit de l'expédition fascina les auditeurs de Shackleton. En 1922, il repartit pour l'Antarctique, mais il mourut d'une crise cardiaque quelque temps avant d'y arriver. On l'enterra en Géorgie du Sud. L'endroit était approprié pour sa dernière demeure. Pendant les années 20, les explorateurs de l'Antarctique s'intéressaient plus à l'étude du continent qu'à l'établissement de nouveaux records. Le développement de l'aviation allait grandement les aider. C'est un Australien, Hubert Wilkins, pilote de chasse maintes fois décoré et explorateur polaire, qui effectua le premier vol au-dessus de l'Antarctique en 1928. L'année suivante, un aviateur américain qui avait été le premier à atteindre le pôle Nord par voie d'air, se tourna lui aussi vers le pôle Sud. Il s'agissait de Richard Byrd, un officier de marine. Byrd, qui devint plus tard amiral, survola lui aussi le pôle Sud. Byrd retourna en Antarctique en 1934. Il y établit une station météorologique située à 200 km d'une base polaire. Il restait en contact radio avec cette base, qui avait été baptisée Little America. Mais il fut victime d'une intoxication provoquée par les vapeurs de monoxyde de carbone dégagées par son poêle. Les opérateurs radio remarquèrent que ses messages étaient de plus en plus difficiles à déchiffrer. Ils en conclurent qu'il était malade. On lui envoya des secours, mais ils n'arrivèrent qu'un mois plus tard. Byrd mit 2 mois à se remettre, avant de pouvoir retourner à la base. Mais Byrd ne se découragea pas pour autant. Il revint dans l'Antarctique en 1939. Cette fois, il emporta avec lui un énorme véhicule. Mais il n'eut pas plus de réussite avec ce véhicule que Charcot et Scott n'en avaient eu 30 ans auparavant avec les leurs. Dans les années 30, d'immenses parties de l'Antarctique étaient encore inexplorées. Les traîneaux à chiens restaient le meilleur moyen de transport. En 1935, un millionnaire américain, Lincoln Ellsworth, qui, comme Byrd, avait déjà volé au-dessus de l'Arctique, organisa une expédition en Antarctique. Il y fit transporter son propre avion. Il se donna pour but de survoler pour la première fois l'Antarctique d'un bout à l'autre en compagnie de son copilote, Rolik Kenyon. Les deux hommes avaient prévu de s'arrêter plusieurs fois en cours de chemin pour étudier le relief depuis le sol. Ellsworth atteignit son objectif. Une chaîne de montagnes dans l'Antarctique porte son nom. En 1938, un problème mécanique obligea Ellsworth et Kenyon à effectuer un atterrissage forcé. D'importantes recherches furent immédiatement entreprises. On les retrouva en pleine santé dans une station polaire désaffectée. Grâce à leur excellente connaissance de la région, ils avaient réussi à subsister et à rester sains et saufs. Après la Seconde Guerre mondiale, l'exploration de l'Antarctique reprit. La marine américaine était devenue l'un des principaux organisateurs des missions. C'était elle qui utilisa pour la première fois des hélicoptères dans cette partie du monde. En 1957, l'amiral George Dufek s'opposa au pôle Sud avec d'autres membres de la marine américaine. Ils étaient les premiers à y revenir depuis Amundsen et Scott. Ils y établirent une base polaire.
Au même moment, une expédition britannique conduite par le docteur Vivian Fuchs était en route pour réaliser la première traversée du continent par voie terrestre, à bord de véhicules spécialement conçus. Les véhicules à moteur avaient fini par vaincre l'Antarctique. Sir Edmund Hillary, le vainqueur de l'Everest, faisait partie de l'expédition du docteur Fuchs. En passant au pôle, ils rendirent visite à l'amiral Dufek. Grâce à l'avion, les femmes aussi purent venir jusqu'au pôle sud. Les premières furent 6 américaines, cela se passait en novembre 1969. Le pôle sud allait devenir une destination à l'usage des touristes tentés par un séjour un peu hors du commun. Au début des années 80, lors d'une expédition, l'explorateur britannique Ranulph Fiennes traversa tout l'Antarctique en scooter des neiges. Plus tard, il se rendit au pôle Nord à pied. Il revint dans l'Antarctique en 1992, en compagnie du docteur Mark Stroud, pour tenter de réaliser le même exploit. Ils en furent empêchés par la banquise de Ross. Mais les 2150 km qu'ils parcoururent en 94 jours restent encore aujourd'hui la plus longue traversée polaire en traîneau jamais effectuée sans ravitaillement. Pendant la même période, une expédition polaire internationale entreprit elle aussi, de 1989 à 1990, la traversée de l'Antarctique en traîneau. Les membres de cette expédition parcoururent 5600 km en 220 jours. Toutefois, ils avaient bénéficié du support logistique d'avions qui venaient changer les chiens qui tiraient les traîneaux lorsqu'ils étaient trop fatigués. L'émotion ressentie en atteignant le pôle sud n'en fut pas moindre. Dans les années 90, l'Antarctique revêtit un intérêt d'une autre nature. Les mesures de la couche d'ozone effectuées au-dessus du continent révélèrent qu'elle devenait de plus en plus fine à cause de la pollution, ce qui risquait d'avoir des conséquences désastreuses sur le climat. Il a été décidé qu'on en suivrait l'évolution. On a aussi décidé de protéger l'environnement sur tout le continent. Des mesures ont été prises pour nettoyer les détritus laissés tant par les expéditions que par les bases polaires permanentes. Encore plus spectaculaire fut l'accord international du début des années 90 au sujet des Huskies. Ces chiens, qui faisaient partie depuis si longtemps du paysage, allaient être désormais interdits de séjour sur tout le continent. Cependant, il restait encore un exploit à accomplir, la traversée de l'Antarctique en solitaire. Deux hommes, un Britannique et un Norvégien, tentèrent de la réaliser en novembre 1995. Le premier à s'élancer dans cette aventure, qui semblait être la réédition de la compétition de 1911 entre Scott et Amundsen, fut Roger Mears, le Britannique. Il fut contraint d'abandonner à cause de problèmes de traîneau après 6 semaines de route. Børg Ausland, le Norvégien, prit le départ 3 jours plus tard. Il atteignit le pôle le 21 décembre, mais des engelures l'obligèrent lui aussi à abandonner 9 jours plus tard. On le voit, cette région désolée du bout du monde présente toujours de nouveaux défis. Il est certain que d'autres exploits seront accomplis dans les années à venir en Antarctique.